Une victoire tricolore de haut vol au sommet du Tourmalet. Thibaut Pinot s'est imposé lors de la première étape de très haute montagne dans les Pyrénées, la 14e du Tour de France. Le Français a tout donné pour aller décrocher la victoire, de quoi le consoler de sa mésaventure lors de la 10e étape et de cette bordure qui lui avait fait perdre un temps précieux sur ses concurrents. Le grimpeur termine devant son compatriote Julian Alaphilippe, qui continue d'exploser tous ses records et termine second de l'étape. Le numéro 1 mondial conserve donc son maillot jaune et creuse l'écart avec Geraint Thomas, qui se retrouve à 2 minutes et 2 secondes du Français. Thibaut Pinot, lui, remonte à la 6e place du classement provisoire, à 3 minutes et 12 secondes d'Alaphilippe. Il compte sur la montagne pour continuer à grappiller des secondes lors des prochains jours. Pour la 15e étape, les coureurs s'élanceront de Limoux pour gravir la côte de Montségur avec une arrivée au Prat d'Albi.